Salut, voilà une journée bien moche chez moi. Il pleut dehors. C'est bien gris, c'est bien triste. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris presque une journée en entière pour préparer cette mise à jour d'aujourd'hui sur mon blog de recherche. Et aujourd'hui, j'ai revu un peu mes notes de recherche parce que je suis en train de préparer un autre article. En ce qui concerne le rôle des systèmes monétaires et dans la croissance du marché d'énergie renouvelable. Et j'ai remarqué qu'il me manquait une petite pièce de ce puzzle. C'est une équation, un modèle bien traditionnel dans l'esprit monétariste. Donc un modèle basé sur cette équation fameuse d'équilibre monétaire. Et en passant, cette équation, c'est très largement une astuce purement mathématique et qui conduit à une tautologie, mais c'est quelque chose que je vais décrire une autre fois. Alors aujourd'hui, je présente donc un modèle simple, un modèle de base où j'essaye de tester. Et quel est le pouvoir explicatif des variables monétaristes, des variables monétaires en général, et en ce qui concerne la croissance du marché d'énergie renouvelable. Bon, ce sera tout à titre d'éditorial. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne lecture, comme toujours. Salut!